Tina, et toi? Quel est ton nom? Mon nom n'est pas important, s'il vous plaît. Arrête ça! Ne me donne pas cette impression. Je n'ai aucune impression à vous donner, n'est-ce pas? Je suis en train de t'observer il y a longtemps. Ça, c'est lui que tu as vraiment un problème. C'est à cause d'une fille? Non. Une déception d'affaires. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ok, donc tu ne dois pas te faire du mal. Écoutez-moi très bien. Cet adage-là ne s'applique pas à moi. Jamais. Oh, s'il te plaît, calme-toi. Je peux t'acheter à boire? Non. Merci. Ok? C'est juste une boisson. Non. Cette femme, bébé? Juste une femme qui me fait la cour. Ce que tu essaies de dire par là, qu'elle te fait la cour? Oui, elle a proposé de m'offrir à boire. Hein? Alors qu'est-ce que tu lui as dit? Tu t'attends à ce que je lui dise quoi? Ne me dis pas qu'elle t'a refusé. Bien sûr que je l'ai fait. Ah. Oh. Attends, as-tu dit que tu es mariée? Elle n'a jamais demandé. Parfait, s'il te plaît. Ne mentionne pas que tu es mariée si elle te demande. Écoute, j'ai vu cette femme quand elle venait. Elle a l'air riche. Et attends, qu'est-ce que tu essaies de dire? Ce que j'essaie de dire est que ceci pourrait être une opportunité. Quel genre d'opportunité? Une opportunité pour nous de se faire l'argent. Toute chose qui peut rapporter de l'argent, c'est une opportunité. Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement, hein? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu ne penses pas la même chose que moi? Veux-tu dire que ce n'est pas un problème que je couche avec une autre femme? Bébé, à ta connaissance? Bébé, depuis que tu as commencé à coucher avec moi seule, combien avons-nous gagné? On parle de comment se faire de l'argent, on ne parle pas de coucher avec une autre femme. Écoute, s'il faut que tu fasses des compromis pour qu'on se fasse de l'argent, compromettons. Si tu sors avec elle, le jus ne va pas finir. Tu sors avec elle et puis tu reviendras vers moi. Il y aura toujours du jus. Comme ça, au moins, on va gagner de l'argent à la fin de journée. Et tu es là en train de me parler des compromis. Que veux-tu que je fasse de ça? Es-tu Écoute, sûre de ça? Bébé, j'en suis sûre. Salut. Alors, pourquoi est-ce que tu m'as fouillé? En fait, je ne suis pas en train de te fuir. Je veux juste qu'on devienne des amis, tu vois? Désolé d'avoir été agressif l'autre fois quand tu m'as parlé là-bas. D'accord.
Je n'étais juste pas de bonne humeur. Je peux me joindre à toi? Bien sûr que tu peux. Quel est encore ton nom? Je m'appelle Terry. Terry Lawrence. Terry Lawrence. Je peux t'acheter à boire? Oh oui. Tu peux. Si je peux demander, es-tu accompagné? Oh oui, je suis en fait venu avec ma petite soeur. La voilà. Et... Comment tu vas? Tantine, comment bon vas-tu? Après-midi. Oui, bon après-midi, comment vas-tu? Oui, ça va. Ouais, je te présente ma petite soeur Gina. Oh, Gina? Moi, je suis Tina. Oh! Tina, ah, Gina. Vraiment? C'est bien, c'est ok, bien. Tu peux prendre place et je peux t'acheter aussi à boire, n'est-ce pas? D'accord. Entrez. Tu peux prendre place. Ah, s'il te plaît, prends place et sens-toi à l'aise. Que puis-je t'offrir, jeune homme? Non, je ne te donne pas à boire. Tu as beaucoup bu aujourd'hui. T'inquiète, je veux que tu te reposes un peu pendant que je veux te faire un bon truc à manger. Tu aimerais vraiment vivre tout ce stress? Ne dis pas ça. Ce n'est pas stressant. Donne-moi juste quelques minutes, ok? Ok. Sens-toi à l'aise. Viens ici. Tu es très bon, tu sais. Tu sais quoi? Peut-être qu'il faudrait que je rentre déjà. Avant que ton mari ne revienne ici. Attends d'abord. Quel mari? Je veux dire ton mari. Je ne t'ai jamais dit que je suis mariée. Tu n'as pas non plus dit que tu n'étais pas mariée? Je suis pas mariée. Prochainement, avant de coucher avec une femme, tu dois mener des enquêtes sur elle. Vraiment? Bien sûr que oui. Ok, c'est bon. Peut-être que tous ceux-ci ont été chippés. Terry. Je dois m'en aller. Au revoir. Terry. Où est-ce que tu vas? Terry, s'il te plaît, je ne l'ai pas fait exprès. C'était quoi alors? Qu'est-ce que tu me veux? Lorsque je te vois, je n'arrive même pas à enlever mon regard sur toi. J'ai des sentiments pour toi. Es-tu au courant que je n'ai absolument rien à t'offrir? C'est vraiment le contraire.
Je sais que tu l'as. En fait, ce n'est pas ce que tu penses. Tu as quelque chose de très important. Peu importe, chérie. J'ai vraiment passé de bons moments aujourd'hui. Je me suis bien sentie aussi. Alors, quand est-ce que je vais te revoir? Demain matin. Je veux que tu te prépares pour passer le week-end avec moi. D'accord, pas de problème. Tout ce que tu voudras. Ok. Gina! Oh, Gina! Comment vas-tu? Je vais bien. Est-ce que tout va bien? Ça va. Je t'aime beaucoup. Très bien, je t'aime aussi. Très bien. Prends soin de toi. Bye. Bye. Prends soin de toi. Par là. Toi, qu'est-ce que tu... Méchant garçon, t'as pas honte de m'appeler ta petite sœur? Ok, viens ici. Tu commences à t'abuser seule maintenant. Ne me blâme pas si moi aussi je commence à me taper d'autres hommes. C'était quoi ça? Quoi, comment ça? Regarde ton visage, tu as directement ridé le front. Donc on ne peut même pas plaisanter avec toi. Arrête-moi ça. Mais attends, tu veux dire qu'elle t'a remis tout cet argent sans douter de quoi que ce soit? Et elle est même prête à me donner plus. Elle m'aime tellement, je ne sais pas. Hey. La femme, hein? Cela veut dire qu'on est rusé. Bébé, utilisons cette opportunité pour tirer le gros lot. Enfin qu'on devienne très riche. As-tu un plan? J'ai toujours eu un plan. Tu vois ta tête, hein? Ta tête là, hein? Mais premièrement, tu dois m'amener dans cette maison. Mon amour, ça ne faisait pas partie du plan, non? Ça doit maintenant faire partie du plan. Je dois m'installer dans cette maison. C'est comme ça que je vais bien opérer, planifier mes histoires et suivre l'exécution de mes plans. Tu ne me crois pas? Tu as raison. Et d'ailleurs, tu n'es pas le seul à vouloir habiter dans une grande maison. Moi aussi, je le veux. Je dois quitter cette taudie. Écoute, tu n'as fait que quelques jours là-bas et la couleur de ta peau a changé. Es, moi aussi, je vais changer. Tu es tellement égoïste, hein, arrête toi. Ça. Regarde ta tu bouche. Tu ne fais pas tes réjouir, climatiseur. As-tu déjà eu sa fraîcheur? Dégage. Et à propos, je crois que ça va faire 6 jours qu'on ne s'est pas mis ensemble. Et ça me manque beaucoup. Tu le veux pimenté ou chocolaté? Oui. Lève-toi. Thank you.
Bébé, je t'aime de tout mon cœur. J'aimerais que tu saches que depuis que tu es entrée dans ma vie, je suis devenue une personne joyeuse. J'allais encore dire... Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il y a un problème? Tu es mécontent. Je voulais te parler de quelque chose. Tu vois, là où j'habite, on m'a donné quelques jours pour déménager. Quoi? Oui, et ma soeur et moi, nous sommes très abattus. Et nous ne savons pas où aller. Mais venez habiter avec moi. Je voulais honnêtement le discuter avec toi il y a longtemps. Mais je ne savais pas comment tu allais réagir. Es-tu sûre? Il n'y a pas un problème avec ça. Tout ce que j'ai t'appartient aussi. Ok? Alors, venez ici. Tu peux le faire pour moi. Je t'aime. Es-tu sûre? Veux-tu que je te le démontre? Oui, sur le lit. Pourquoi ne pas te les montrer maintenant? Oh, Gina, bienvenue à toi. Ça, c'est votre Merci. Maison. Oh, bébé, elle est très belle. Oh, ouais, elle est belle, mais c'est une fille têtue. Ne dis pas ça. Viens, et laisse-moi te montrer là où t'installer. Prends tes bagages. Bébé, que veux-tu manger? Les ignames avec la soupe au poisson. Les ignames avec une soupe, d'accord. Alors, ta sœur? Elle mange ce que je mange. Hein. Ok. Je t'aime. Je t'aime plus. Bébé, laisse-moi partir. Mais où? Il faut Allez, que je parte, reste. Non, avant qu'elle ne me surprenne ici. Elle ne va rien suspecter, elle non, dort. Non, attends. Bébé, relax. Quoi? Tu passes tout le temps avec elle. Allez, satisfais-moi aussi. Écoute, regarde, nous devons avoir cet argent, non? Hein? Je sais, mais j'ai envie de toi. Arrête, laisse-moi partir. Écoute. Tu veux abîmer ce deal? Ah, vraiment, tu veux qu'elle me suspecte? Ne rends pas les choses difficiles. Oya, je m'en vais. Ça va? Je vais bien. C'est juste que j'avais de la nausée, c'est tout. Tu es pâle et tu n'es pas bien il y a quelques jours maintenant. Et j'aimerais savoir, est-il au courant? Il est au courant? Mais au courant de quoi? Tu es enceinte. Avoir honte de toi, Gina. Qu'est-ce que tu es irresponsable, toi? Je te dis mille et une fois, ferme tes jambes, mais tu ne m'écoutes pas. Maintenant que tu es grosse de cet irresponsable, n'as-tu pas honte de toi? Est-ce que tu vois la honte que tu as amenée dans ma famille, dans notre famille? As-tu vu la honte que tu m'as amenée? Écoute-moi très bien, tu vas te débarrasser de ça. Oui, tu le feras. Regarde, ne me regarde même pas. Tu ferais mieux de cacher ton visage de honte. Toi, la disgrâce en personne. Et c'est cette chose-là qui t'a engrossé. Calme-toi. Chérie, ne me demande pas de ça me calmer. Ça suffit. Elle est grosse pour l'amour de Dieu. Ça suffit, hein. Calme-toi. Elle est ta sœur, n'est-ce pas? Écoute, elle doit quitter cet endroit où je ne sais quoi. Je ne veux pas d'elle ici.
Arrête ta bébé. Où veux-tu qu'elle parte? Bébé, je m'en fous. Calme-toi. Ah oui, nous sommes des voleurs. Donc, mais tu es vraiment sénateur? Tu étais très magnifique. Hein, regarde ta face. Tu étais en train de pleurer. Pourquoi tu ne rejoins pas Nollywood? On devait bien jouer notre rôle. Et toi, tu te mettais à crier tellement fort et j'ai commencé à avoir peur. Je devais faire en sorte que ce soit réel, non? Tu ne comprends pas. Je sais. Qu'allons-nous faire après ça? Écoute, ne te dérange pas. J'ai déjà tout planifié. Ta tête là. Ta tête là, hein. C'est pas pour ça que tu m'aimes. Écoute, avec cet argent, nous allons faire l'argent. Ce bébé ne va pas souffrir. Mon bébé sera gâté et il va se réjouir. Oui, bébé. Ok, je pars. Oui, après. Jeune homme, il faudra que tu réussisses dans tous les plans que tu as pour ma soeur. Et tu dois faire le nécessaire avant que cette chose que tu as déposée dans son ventre se montre. Oh bébé, calme-toi. Jeune homme, s'il te plaît, permets-moi. Jeune homme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien madame, je me débrouille un peu dans la vie. Je me débrouille dans les affaires et ça me prend trop de temps. Écoutez madame, je sais qu'on n'a jamais eu l'occasion de se voir en personne. Mais ce qui est arrivé à votre sœur et moi n'était pas une erreur. Nous avons un plan pour nous. Et nous nous aimons, c'est vrai. Oh, je vois. Comme c'est le cas, il n'y a pas assez de problèmes. Madame, je suis prêt à prendre mes responsabilités en main. Mais j'ai juste besoin que vous puissiez lui faire confiance en même temps, afin que nous puissions nous unir ensemble. Je serai avec elle, elle peut venir vivre chez moi plutôt que de rester ici si vous ne trouvez pas d'inconvénients. Écoute-moi, ma sœur n'ira nulle part avec toi avant que tu ne fasses ce qui est nécessaire. Eh bien, je vois que là, il y a un problème. Je ferais mieux de partir. Oui, alors. Tu ferais mieux de partir. C'est bon, j'ai déjà tout compris. On se reverra sûrement. Confrère, je parle à compagnie. Allez, rentre comme ça. Rentre comme ça. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Pourquoi tu l'as suivi et il t'a engrossé? Laisse-la accompagner son homme. Rentre, viens te mettre. On a monté pour nous débarbouiller un peu. Oh non! Chérie, tu dois te débarbouiller, s'il te plaît. Donc, c'est déjà le temps? Ah, t'inquiète. Peut-être que tu vas m'écouter. Peut-être qu'il faut que tu... Et où les tourtereaux? Oui. Le repas est servi. Ne me dis pas que quelqu'un est déjà jalouse. Jalouse? Jalouse de mon propre frère? Non. Allons manger. Très bien, pas de problème, allons-y. Oh maman, je suis là. Comment vas-tu? Ah, ça fait longtemps. Tu m'as beaucoup manqué. Oh, maman, comme vraiment? Tu m'as manqué. Tu m'avais beaucoup aussi manqué. Attends une minute. Je te présente mes bons amis. Lui c'est Terry et celle-là c'est Gina. Terry et Gina, elle c'est ma fille. Quoi? Ta fille? Elle a une fille. Elle ne m'en a jamais parlé. Je viens juste de les découvrir. Qu'allons-nous faire? Bébé, c'est pas un bon signe ça. C'est pas bon signe. Je ne sais pas à quoi tu penses, mais on doit se débarrasser d'elle. Attends, laisse-moi bien comprendre ça.
part se débarrasser d'elle, tu veux dire qu'on doit la tuer? As-tu un autre plan? Écoute, j'ai déjà assez souffert. Hein? Je ne vais pas laisser cette tête souris qui a débarqué de nulle part gâcher mon plan. Écoute, on doit faire quelque chose. Et si on les dupe un peu d'argent et on s'enfuit sans pour autant tuer qui que ce soit? Chérie, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Écoute bébé, il s'agit de beaucoup d'argent. Cette femme est très riche. Cet argent, ça représente tout. Comment veux-tu te servir de l'eau dans un verre au moins où tu peux avoir toute une citerne? Je ne sais pas. J'ai déjà beaucoup souffert. Je ne vais pas continuer à vivre dans la pauvreté. La pauvreté est une mauvaise chose. Hein? Je ne vais pas continuer ainsi. La pauvreté, j'en veux plus. Essaye du mieux que tu peux pour qu'il fasse de toi son associé. Hein? Comme ça, on aura accès sur tout ce qu'elle possède. On aura accès sur tout. Ma fille, tu es ici. Je te cherchais il y a longtemps. Ah, je suis déjà là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? D'où vient cet homme? Je n'aime pas ce visage. D'où vient cet homme qui est assis au salon de séjour? Tu veux dire Terry? Oui. Il est mon ami. Ton ami? Oui. Vous êtes tellement rapprochés. Ok. Nous sommes vraiment rapprochés. Chérie. Tu sais, depuis que ton père est mort, j'étais toute seule. Je ne côtoyais personne. Jusqu'à ce que j'ai croisé Terry. Et Terry m'a donné la joie. Mais, comme tu le détestes, je veux me débarrasser de lui. Non, maman, ce n'est pas ce que j'ai dit. T'inquiète, je partage ton bonheur. Oh, ma chérie, je t'aime beaucoup, bébé. Je t'aime. Mon cœur. Chérie, je suis désolée. Je devrais te le dire il y a longtemps. Tu allais me dire. Tu es tout ce qu'il me faut, mon amour. Ah, s'il te plaît, je suis désolée. Cherche une place dans ton cœur pour me pardonner. Tonton Terry. Hey, ma fille chérie, bienvenue une fois de plus. Merci pour tout. Maman m'a beaucoup parlé de toi. Oh, wow. Tu sais quoi, ma maman, elle est tout ce que j'ai de plus précieux. Promets-moi que rien de mal ne lui arrivera. Tu as ma parole sur ça. Merci beaucoup. Je prendrai toujours bien soin d'elle. Merci. Maman, je t'aime beaucoup. Maman, j'ai besoin de toi un instant, s'il te plaît. Je ne suis pas le temps pour faire des promesses. Car je ne les accomplirai pas.
Tantine, Tantine, pourquoi tu fais la vaisselle? Mais qu'est-ce que ça fait? Il faut me laisser faire, s'il te plaît. Allez, ne te dérange pas. Je veux bien. Oui, et je ne me plains pas. J'insiste. Oh. Oui, puisque je suis encore en congé, je te prie de me laisser cette tâche. Naturellement, pendant le cours, je ne travaille pas assez. Ok. Si tu le dis. Merci. Merci, Tantine. Tantine, tu es vraiment une bosseuse. Oh, ma chère, bien sûr que je le suis. Je veux que tu aies aussi le temps de te reposer pendant que je suis là. Oh, c'est ça, ma belle. T'inquiète, je vais t'aider. On va commencer à travailler ensemble. Oh, c'est bien. Je l'ai toujours fait sans problème. Non, 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 c'est pas grave, t'inquiète. Ça va. C'est bien. J'ai prié à Dieu de te donner un bon mari puisque tu travailles beaucoup. Je remercie Dieu parce qu'il me l'a déjà donné. Es-tu mariée? Oh, pas vraiment. Je les déclare seulement avec foi. Ah, ok. Amen. Amen. Tu es très gentille. Ma chère, il faut toujours être gentille. On ne sait jamais. Vraiment, tu es très intéressante. Merci. Toi aussi, t'es jolie. Merci. Ma chérie. Maman. Comment vas-tu? Oui, ça va. Ok, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Ok, je t'écoute. Terry m'a demandé en mariage. Quoi? Oh. Qu'est-ce que tu en penses? Maman, je suis très contente. Tu as vraiment de la chance. Je suis très heureuse pour toi. Tu n'en fais pas un problème? Non, maman. Non. Es-tu sûre? Oui. Merci, je pensais que je n'aime pas Thierry. Non maman, c'est une bonne personne. Tu l'apprécies? Pour ce qui te rend heureuse, ça me va. Ok, j'ai préparé un plat très spécial pour toi. Alors, ok, on va bien se régaler. Entre vite, entre. Bébé. Ma maman, c'est Marie. Hein? Non, c'est pas vrai. Hey, elle est tombée amoureuse. Ah. Terrible, je te dis. Oh mon Dieu. Hey, je suis très contente pour elle. C'est une bonne nouvelle. Moi de même. Hey, gloire à Dieu, après toutes ces années. Mais, Cécilia, j'espère que ta mère a fait un bon choix. Bien sûr. Tu sais, les hommes de nos jours sont devenus tellement désespérés. Ils aiment récolter ce qu'ils n'ont pas semé. Et tu sais que si ta mère fait une erreur, ça t'affectera automatiquement. Là, mon question, je pense qu'il n'est pas de son genre, mais bon, il est quand même gentil. Tous deux s'aiment beaucoup, donc je pense pas qu'il y aura vraiment un problème. Je crois que vous prenez, toi et ta mère, une bonne décision. Bébé, t'inquiète. C'est une bonne personne. Ok, et où est-elle? Je ne l'ai pas encore vue depuis que je suis là. Et l'homme en question? Ah, t'inquiète, ils sont en haut. Tu vois, ils sont dans la romance. Salut. Tonton Terry, bon après-midi. Bon après-midi. Ce film doit vraiment être très intéressant. Oui, vraiment, c'est très intéressant. Regarde, hein.
Depuis que tu es rentré de l'école, tu n'as pas quitté les quatre murs de cette maison. N'as-tu même pas un copain à qui tu vas parfois rendre visite? Tonton, tu dis un copain? Oui, copain. Oh, ne me dis pas que tu n'as pas de copain. Bien sûr que je n'ai pas de copain. Tu trouves que ce serait normal d'avoir des copains à cet âge? Bien sûr. Je ne peux pas te tromper, ok? Tu as besoin d'un petit ami qui te fera sentir comme une vraie femme. Avec tous les corps que tu as ici. Maman ne sera pas d'accord avec. Ah, maman sera très fière de toi. Laisse-moi te dire, je connais l'homme parfait pour ça. Et je vais te le présenter. Il prendra soin de toi. Mais écoute-moi. Tu dois garder ça entre toi et moi pour le moment, ok? Jusqu'au moment opportun. Que maman n'en sache rien. C'est promis. Ok. J'arrive, hein? Ok. Bonjour, Gina. Tonti. Comment vas-tu? Je veux bien. S'il te plaît, as-tu vu Lolita? Oui, je l'avais vue le matin. Elle avait dit qu'elle partait voir ses amis et qu'elle ne va pas traîner. Elle ne m'a rien dit. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je t'en prie. Salut, Meg. Comment vas-tu? Bon après-midi, ma chérie. S'il te plaît, est-ce que Lolita est avec toi? Elle n'est pas avec toi? Est-ce que tu avais dit qu'elle avait un rendez-vous? Pas du tout. Ok, si tu la vois, dis-lui que j'ai besoin d'elle ici à la maison. Pardon. Ok, ma chère, bye. Où peut-elle être? Chérie, je ne comprends pas. Elle ne répond même pas à son téléphone. Bébé, calme-toi. Oh, mon Dieu. Où peut-elle partir? Je suis sûr qu'elle va bien. Juste relax, ok? Est-elle rentrée? Elle n'est pas toujours revenue. Oh, mon Dieu. Je crois qu'on doit informer la police. Non! S'il te plaît, réponds au téléphone. Son numéro ne passe plus. Est-ce que tu as essayé de le joindre au téléphone? Ça ne passe pas. Mon Dieu. Oh. Calme-toi, s'il te plaît. Je suis sûr qu'elle va revenir. Elle va revenir. Je suis sûr qu'elle passe un peu plus de temps avec ses amis. Faudra juste essayer ce numéro un peu plus tard. Bébé, calme-toi. Je fais un petit déplacement et j'arrive, ok? D'accord, merci. Où peut-elle être? Où est-ce que tu es, ma fille? Où es-tu, ma fille? Ah!
Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille est en danger. Danger? Ma fille est en danger. Je l'ai vue. Je l'ai vue quand je dormais. Oui, ma fille est en danger. Dieu, fais quelque chose. Oui, entrez. Bonjour, maman. Oh, Meg. Bonjour. As-tu appris une nouvelle? Non, maman. Depuis que tu m'as appelé hier, j'ai appelé tous ses amis, même ses condisciples. Personne ne sait où elle est. Oh, mon Dieu. Quoi? Allô? Bonjour. Non, elle n'est pas à la maison. Elle était sortie il y a de cela 24 heures. Je t'avais appelé hier. Oui, j'ai ses photos. Je ne sais pas. Ok, monsieur, je me lave vite et je viens là-bas à la station de la police pour qu'on en parle. Merci. Qui est-ce? C'est qui, s'il vous plaît? Madame, j'ai vu votre fille. J'étais en route pour le boulot. Je l'ai vue coucher par terre. Quoi? Dépêchez-vous. Allons-y. Non, maman, non, je ne te donne pas. Tu ne regardes pas. Attends alors, ok, c'est bon, j'ai compris. Attends. Attends, tu vas voir. Attends, je vais te montrer. Attends. Attends, tu vas bien regarder. Tu as vu? C'est très magnifique. Thank you.
Ça ira. Tu dois arrêter de pleurer, ok? Ne pleure plus, chérie. S'il te plaît, viens. Madame! Ah oui, je ne sais pas ce qui est arrivé à ma voiture. Je n'arrive pas à la démarrer. Est-ce que ça tremblait? En fait, le moteur tremblait. Donnez-moi les clés. Hakim! S'il vous plaît, patron, j'arrive. Viens un peu, s'il te plaît. Viens me donner ce truc-là. Pardon, je peux avoir votre boss? C'est toi le boss ici? Non, laissez-moi voir d'abord. S'il y a un problème, je saurai si c'est quoi. Hakim! Attendez, je l'appelle. Ok. Hakim! Boss, s'il vous plaît, venez voir ça. Cette voiture a un problème. Ok, pas grave, fixe-moi ça s'il te plaît. Tiens-le bien, sinon ça va risquer de sauter. Oui, madame, qu'est-ce que je peux... Toi? Jeune homme. Il faudra que tu réussisses dans tous les plans que tu as pour ma soeur. Et tu dois faire le nécessaire avant que cette chose que tu as déposée dans son ventre se montre. Oh bébé, calme-toi. Jeune homme, s'il te plaît, permets-moi. Jeune homme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien madame, je me débrouille un peu dans la vie. Je me débrouille dans les affaires et ça me prend trop de temps. Écoutez, madame, je sais qu'on n'a jamais eu l'occasion de se voir en personne. Mais ce qui est arrivé à votre sœur et moi n'était pas une erreur. Nous avons un plan pour nous. Et nous nous aimons, c'est vrai. Oh, je vois. Comme c'est le cas, il n'y a pas assez de problèmes. Madame, je n'en savais rien du tout. J'étais payé pour faire ce job. Je n'ai jamais connu Gina, moi. Tu as été payé? Tu as été payé pour ruiner la vie de quelqu'un. Tu as vraiment pris de l'argent. Tu n'as pas de conscience. Écoutez, madame. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'était que quoi? Vas-y, s'il te plaît, dis-moi. Dis-moi encore plus par rapport à ce plan-là. Quoi? Vas-y, raconte-moi. Raconte encore plus, je vais t'entendre. Thank you.
Bienvenue. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Commence à parler. Quelle est votre mission dans ma maison? Quelle est votre mission? Vas-y, parle. Quelle est votre mission ici? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Tu as un couteau à la main. Vas-y, parle. Je jure, je vais te... Salut. Salut. Sois la bienvenue. Oh, bienvenue. Tu cherches quelqu'un? Oui. Maman est là. Oh, maman. Oh non. Elle a voyagé ce matin. Voyagé? Oui. Ouais. Elle avait une urgence. Mais j'ai parlé avec elle. Je l'ai vue hier. Oui, ouais, elle était là hier. Elle a eu une urgence ce matin. Oh, regarde ça, l'orange que tu pelais. Oh, l'orange que je pelais, oui. Oui, c'est ça. En tout cas, merci d'être venu. Merci beaucoup. Ok. Je lui dirai que tu étais passé. Oh, bye. Okay. Merci. Oui. C'était si près. Bébé, qu'allons-nous faire? On doit se débarrasser de ces corps. Hein? En fait, il faut juste que j'imagine quelque chose. On doit faire quelque chose. Est-ce qu'il fait noir dehors? Ok, il fait noir déjà. Je pense que j'ai une idée. Viens avec moi, viens avec moi. Ok. Très bien, je pense que ça va. Hein? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? On l'a fait mis dans le coffre. Mais bien sûr. Mais comment? Attends. Oh mon Dieu, elle est partie. Elle est partie. Chérie, confirme-moi. Confirme-moi d'abord si elle est dans le coffre. Continue. Oh mon Dieu. Avancez. Oh Seigneur. C'est pas vrai. La vie, chérie. Prochainement. Si on vient ici, je vais t'acheter 40 casiers. 40 casiers. N'oublie pas les cerveaux montaires. Oh non, je sais très bien. Maintenant, je peux boire autant de bouteilles que je veux. C'est pas comme dans le passé. Je parle de 40 casiers. Prochainement, on achète du vin. Chérie, je prendrai soin de toi. Le champagne. Prochainement, j'achète le champagne. Ha 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 ha!
tu as dit quelque chose? Non, je n'ai rien dit du tout. Battre, non? Hein? Faisons-le. Vraiment. Mm-hmm.